440 salariés d'Alcatel Submarine Networks à Calais, toujours dans l'incertitude. En octobre dernier, un éventuel rachat par une PME bretonne était annoncé. Nokia, actuel propriétaire de cette filiale spécialisée dans la fabrication et la pose de câbles sous-marins, souhaitait vendre. Les salariés sont forcément inquiets et les syndicats tentent d'obtenir des réponses. Les salariés sont dans l'impatience quand même parce que la vente devait se faire en début d'année dernière, ça ne s'est pas fait. Elle devait se refaire en fin d'année dernière, ça ne s'est pas fait. Ils se posent des questions, ils se demandent pourquoi que ça ne se fait pas. Il y a peut-être quelque chose qui ne va pas dans la boîte. Le carnet de commandes est plein pour cette entreprise leader mondial d'un marché atypique. Une clientèle d'opérateurs de télécommunications, d'entreprises pétrolières et surtout de GAFA. Google et Facebook achètent des systèmes complets pour les faire installer par les Calaisiens dans le monde entier. Une demande qui représente près de 40% de la clientèle d'ASN. Nokia France souhaite-t-il toujours vendre et à quel prix? Si aucune réponse n'est apportée rapidement aux salariés, une action pourrait être envisagée à Calais.